Ça va pas super, hein, forcément. C'est la première fois que j'abandonne le Grand Chelem. Donc, c'est que vraiment, j'ai été poussée jusqu'au bout. J'ai contracté une belle déchirure pendant un match contre Ostapenko. Et hier matin, quand je me suis réveillée, je savais que ça allait être compliqué. Hier soir, j'ai eu le diagnostic du médecin. Donc, j'aurais pu choisir de ne pas rentrer sur le court. J'ai choisi d'y aller parce que je voulais me donner une chance de donner un petit peu de spectacle encore et j'avais pas envie de finir sur cette note-là. Au final, finir sur un abandon, c'est peut-être encore pire. Donc, je sais pas ce qu'aurait été de mieux à faire, mais je suis restée fidèle à mes convictions. J'ai essayé d'aller sur le court et de donner ce que j'avais à donner, même si c'était pas grand-chose. Maintenant, il va falloir gérer la douleur, me soigner pour essayer d'être prête pour la saison sur gazon. Ouais, non, c'est sûr que ça, c'est difficile de dire que ça se termine comme ça, sur un abandon, hein, ce serait un peu dommage. Mais j'ai pas vraiment de visibilité sur ma carrière à long terme. Dans un an, je sais pas où je serai, j'essaie juste de finir ma saison et de bien la finir. Après, il est pas impossible, oui, que je tire pour un dernier Roland-Garros l'année prochaine, mais je ne promets rien, je me projette pas trop loin, je prends les choses comme elles viennent.